Salut à tous, ici Retro Bazook. Allez, aujourd'hui c'est enfin arrivé la vidéo où je vais essayer de réparer l'écran qui va me servir à faire les lives. Pourquoi je suis équipé comme ça? Eh bien parce que là on n'a pas juste une Super Nintendo alimentée en 9 V, on a direct du 220 V qui rentre dans l'écran, donc potentiellement même quasiment sûr à 100% qu'il y aura des gros condensateurs avec des voltages assez élevés. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et certainement que c'est un problème de condensateur, hein, ça c'est sûr à 90%. Si c'est pas ça, ça va être certainement très dur à trouver la panne, on va voir. Ou alors ce sera peut-être eu un problème d'oxydation, un des composants qui a fui. Ça peut arriver avec le temps. Mais vu les symptômes que l'écran avait, c'est-à-dire qu'il clignotait, la LED clignotait, mais l'image n'apparaissait pas. Ça, je pense que c'est lié aux condensateurs qui sont proches de l'alimentation, tout simplement. Voilà, donc il est là. J'ai enlevé les vis. Je vais juste le retourner, l'ouvrir. Hop. Hop. Donc derrière le cover en plastique, on a le shield métallique. Et lorsqu'on enlève les vis qui sont là, il faut enlever un petit bout de scotch ici également. On peut avoir accès au PCB. Voilà. Donc voilà, on va s'intéresser à ça. Donc c'est l'alimentation est là. Certainement dans cette zone-là, dans la carte d'alimentation, qu'il y a un défaut. Je vais essayer de zoomer un peu. Là, pour que vous y voyez un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, ce qui est cool, c'est que là, si on observe les condensateurs ici, eh ben on voit que certainement la panne est due à ces condensateurs. On voit qu'il y en a 3 sur les 5. Je sais pas si vous le verrez. Mais qui ont l'air d'avoir gonflé légèrement. Donc à mon avis, ils sont morts, tout simplement. 680, ça devrait faire l'affaire. Le même voltage, c'est du 25 volts, me semble-t-il. Donc voilà, donc ça c'est bien, parce que certainement que la panne vient de là, et certainement que si je change ces condensateurs-là, ça va régler le problème. Après, ce qui m'embête un peu, c'est, comme je vous l'ai dit, des gros condensateurs ici. Voilà, là, les deux gros qui sont couchés, ici, eh bien, ce sont des condensateurs de 450 volts, 68 microfarads, donc potentiellement, on peut se prendre des grosses châtaignes de plusieurs watts, donc je préfère, avant de me lancer dans la réparation, les décharger. Et malheureusement, j'ai rien pour les décharger, quoi. Alors, il y en a qui disent qu'il suffit de faire court-circuit avec un tournevis ou autre. C'est une mauvaise idée, parce qu'un court-circuit à 450 volts, ça peut faire éclater le condensateur, ça peut abîmer d'autres composants de la carte. Donc, on va utiliser une méthode un peu à l'arrache. Il me faudrait, en fait... dans l'idéal, une résistance qui accepte 20 ou 40 watts, je veux dire. Celle-ci qui ne supporte qu'un quart de watt. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais en mettre 20 en parallèle, ce qui fait que, théoriquement, elles pourront supporter jusqu'à 4 watts. Avec des valeurs suffisamment élevées, ça devrait aller. Donc le déchargement sera plus lent que si j'avais la bonne résistance. Mais théoriquement, ça devrait être safe. J'ai utilisé un petit calculateur. En fait, je vais mettre 20 résistances de 1 méga ohm en parallèle. Donc ça va diviser cette valeur de résistance par 20 pour donner une résistance de 50 kilo-ohm. Et par contre, la tolérance de puissance d'un quart de watt, elle sera multipliée par 20. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais me préparer un petit bricolage. Je vais souder toutes ces résistances ensemble. Et puis, à l'aide de pinces crocodiles comme celle-ci, je vais me préparer un petit accessoire pour décharger les condensateurs. Une fois que ce sera fini, je testerai avec un multimètre pour voir si effectivement les condensateurs sont bien déchargés.
Voilà, donc c'est parti. Vous voyez, j'ai mis les 20 petites résistances en parallèle. C'est moche, hein, du coup, mais c'est provisoire, voilà. Je vais me commander une résistance de puissance qui supportera du 20 ou du 40 watts prochainement. Et puis comme ça, je pourrai récupérer ces résistances-là pour en faire autre chose plus tard. C'est pour ça que je vais essayer de les souder vraiment qu'aux extrémités. Comme ça, après, si j'ai besoin de les récupérer pour faire autre chose, j'aurais plus qu'à couper les bouts. Parti. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ça y est, on a une espèce de résistance qui devrait supporter logiquement du 5 watts au maximum et qui devrait avoir donc une valeur de 50 kilo-ohms. On va vérifier ça. On va vérifier ça tout de suite en connectant les pinces crocodiles. Voilà, donc là vous pouvez voir, bon, c'est à peu près, on est à 48,87, 88 kilo-ohms. Donc ça va aller, ça devrait le faire. Je vais débrancher. Hop. Ceci pour pas cramer mon multimètre au cas où. Bah, je sais pas, il y aurait une tension violente qui arrive d'un coup. Et puis, on va venir appliquer du coup les deux extrémités des multimètres de chaque côté des condensateurs. Ils sont débranchés hein, maintenant, comme je vous l'ai dit. Tac, ils sont juste reliés à la résistance. Et si je vais venir faire contact en faisant attention de rien toucher d'autre. Ah, les pinces croco, faut qu'elles tiennent bien par contre. Pas qu'elles se détachent. Pas que ça touche quoi que ce soit. Et je vais venir faire contact aux deux extrémités du condensateur pour le décharger. Je vais venir y rester une quinzaine de secondes. Et après ça, je viendrai vérifier la tension. Allez, c'est parti. Je sais pas si on y verra bien. Bon, pas d'étincelle, pas d'arc électrique, donc pour l'instant ça a l'air pas mal. Je vais venir y rester, comme je vous l'ai dit, une quinzaine de secondes. On est à 0 volt, donc on est bon. Le deuxième gros condensateur, attention. Ça va, pas d'arc électrique. Je reste quelques secondes de plus. Allez, là on devrait être ok. Ouais, on est à 0 volt. Donc c'est parfait, c'est bien déchargé. Je me fabriquerai un truc pour décharger les résistances mieux, avec une résistance plus adaptée et surtout de la gaine isolante, ce genre de choses. Histoire d'avoir un truc safe pour les prochaines fois et un truc qui aille plus rapidement, parce que là on décharge en environ 15 secondes, mais avec une autre résistance on pourrait décharger ça beaucoup plus rapidement, en 2-3 secondes on pourrait faire ça sans problème. Maintenant que ça c'est fait, on va débrancher tout ça. Là on va venir enlever ces 5 condensateurs là, venir les changer. On va venir dessouder par en dessous ici. Alors j'en profite pour regarder s'il n'y a pas des... ah ouais, si. Là vous voyez, toujours vérifié, mais là il me semble qu'il y a une soudure qui commence à être bouffée, qui commence à être cassée. On voit une cassure autour. Donc je vais en profiter pour les refaire aussi. Histoire d'être bien en mettant un peu d'étain neuf. Chose là, mais je touille et j'aspire. Ça a l'air ok. Et de même pour le deuxième.
Alors, est-ce qu'il va vouloir s'enlever maintenant? Yes, il est sorti tout seul, comme un grand. Et du flux. Hop, un peu d'étain frais, on inspire. Ça m'a l'air ok. Est-ce qu'il veut sortir? Nickel. Très très bien, celle-là. Parfaitement dessoudée. Il fait un peu hâtivement, ça a l'air d'être bon quand même. Regardez avec quelle aisance ça va sortir. Tac, voilà. Hop. Voilà. On a retiré les 5 condensateurs, on va pouvoir mettre les nouveaux. Voilà, donc elles sont juste positionnées. Il n'y a plus qu'à venir les souder maintenant à l'arrière. Donc pour ça, hop, je vais juste tordre les pattes. Pas qu'elles retombent. Voilà. Simplement. Ça, ça va tenir un minimum. Je vais pouvoir poser la PCB. Mettre un peu de flux et puis je veux dire souder, hein, comme je disais avant. La soudure, c'est toujours plus simple que dessouder. Bon, voilà, ça ira bien. Les soudures sont refaites. Alors, on y verra que dalle. On y verra que dalle, à mon avis, mais elles sont là, hein. Voilà. Les soudures que j'ai refaites. Si on prend de l'autre côté, les condos sont là, ils tiennent bien. Et du coup, la réparation devrait être terminée. Allez, j'ai rebranché, j'ai remis la carte en place. Et c'est le moment de vérité. On va juste, avant de remettre le pied, de remettre toutes les vis et tout, juste remettre... Ah ouais. Ben le secteur et voir si ça s'allume. Yes, c'est bon les amis, l'écran est réparé, nickel. Bon ben du coup je vais tout rebrancher et puis c'est cool. Voilà les amis, faites pas attention au bazar, mais c'est tellement cool de le voir ressusciter. Et je sais pas si c'est juste une impression quoi, mais j'ai l'impression que la luminosité, le contraste est meilleur depuis que les condensateurs sont changés. Non, vraiment, je suis hyper content d'avoir ressuscité cet écran-là. Et du coup, ben, je vais bientôt pouvoir reprendre les lives. Et ça, c'est cool. Allez, des bisous, à bientôt!